Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN le motivateur. Et si c'est pour la première fois que vous découvrez cette chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner en cliquant en bas de cette vidéo sur la partie s'abonner et en activant la petite cloche pour que vous puissiez être tenu au courant lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne. Il n'est pas normal qu'ici, nous ne soyons pas encore en mesure de nous autosuffire. Prenez courage. Ça viendra. Kiss in your hands. Démarrons cette nouvelle vidéo par une petite devinette. Je suis limité au nord par le fleuve du Niger, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Nigeria, à l'ouest par le Togo et au nord-ouest par le Burkina Faso. Oui, vous avez bel et bien trouvé la réponse. Il s'agit de la République du Bénin, qui autrefois était la République populaire du Bénin et bien avant cela la République du Dahomey. Le Bénin s'apprête à célébrer le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Le 1er août 1960, la République du Dahomey est devenue indépendante. À l'occasion de cette 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin, nous avons voulu consacrer une série de vidéo à l'histoire de la République du Bénin. Mais bien avant 1960, beaucoup de choses, beaucoup d'événements se sont passés. Mais nous allons remonter un peu jusqu'en 1958. De 1958 à 1960, qu'est-ce qui s'est passé au Bénin? Alors, République du Dahomey. Je vous invite à suivre cet élément. Le 28 septembre 1958, le Dahomey vote oui au référendum instituant la communauté française. La République du Dahomey est proclamée le 4 décembre et Sour Oubliga Akwiti devient président du conseil de gouvernement. Il bénéficie d'une très large majorité avec le parti progressiste dahoméen PPD, fondé en mars 1958 et rassemblant le PRD, le RDD et d'anciens membres de l'UDD qui se sont opposés à l'affiliation au RDA. Mais le 17 janvier 1959, la création de la Fédération du Mali, à laquelle participent des parlementaires du PPD, provoque son éclatement. Maga et Akwiti s'opposent au projet de la fédération et reconstituent leurs partis respectifs, le RDD et le PRD. C'est donc en ordre dispersé que se déroulent les élections à la première Assemblée nationale dahoméenne les 2 et 23 avril 1959. L'entre-deux-tours est marqué par la démission de leur poste ministériel d'Alessandre Adandé, de Louis Ignacio Pinto et de Berlin Zissou qui entendent montrer leur attachement à la fédération. Mais aucun parti n'obtient la majorité à l'issue des élections qui donnent 28 sièges au PRD, 22 au RDD et 20 à l'UDD-RDA. Un gouvernement d'union nationale est donc formé avec Sour Oubliga Akwiti à sa tête. Le RDD apparaît cependant comme le véritable arbitre de la scène politique dahoméenne entre Sour Oubliga Akwiti et Justin Aromadébé, dont l'alliance est impossible du fait qu'il tienne un rancœur personnel. Le 21 mai 1959, Akwiti démissionne. Avec le soutien des élus de l'UDD-RDA, Hubert Maga le remplace. Pressé par l'aile gauche de son parti, il propose même la fusion à l'UDD. Aromadébé refuse
Les ministres de l'UDD décident finalement de quitter le gouvernement en décembre 1959. Sans majorité, Maga parvient tant bien que mal à se maintenir. L'élection à la présidence de la République du Dahomey entraîne la formation le 9 mars 1960 du Parti des nationalistes du Dahomey, PND, qui regroupe le PPD de Zissou et le PRD d'Apeti. Mais soucieux de barrer la route au PPD, l'UDDRDA soutient la candidature d'Hubert Maga, qui est élu premier président du Dahomey le 26 juillet 1960 et qui proclame l'indépendance du Dahomey le 1er août de cette même année en présence de Louis Jacquinot qui représente la France.